salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de notre aventure sur A Way Out. Je crois que c'est 10 et je suis toujours accompagné de Dark Funeral 972. Comment vas-tu? Eh écoute, ça va, prêt à sauter en parachute. Ah oui, parachute, vous avez choisi. Vous avez choisi dans les commentaires, vous avez dit les gars, parachute c'est plus classe. Bon, il a le vertige Léo, attention. Mec, tu vas être sans gars en l'air, tu vas faire des prises de 4 choses oiseaux. Mec, j'ai des comment on appelle ça là? Des petites ailettes pour contrôler la descente. Non, ça va le faire. Wingsuit. Des aérofreins. Ouais, wingsuit. Good. Emily, I'll handle the fuel. All right. Sorry, that's just it's coming with. Yeah, just get it on the plane, okay? Got it. Miskine, elle a déjà failli stoller. Ok. Alors, fermer le robinet de carburant, trouver le journal de bord d'Emily et ouvrir les portes du hangar. Bon. Et j'ai le journal c'est de fait. Bord. J'ai fermé le robinet là. Donc, d'ailleurs, je vais dire un petit truc un peu débile. S'il y en a qui ont déjà fait du saut en parachute. Moi, j'ai le vertige, tu vois. J'ai quelqu'un qui est. J'ai pas mal de vertige. Ah, il y a un petit jeu où on peut jouer à deux. Ah, vas-y, ouais, et donc j'ai le vertige, et pour avoir fait du saut en parachute, je n'ai pas eu le vertige. On est beaucoup d'accord. Trop haut en fait. Et donc, toi c'est trop. Ah, mais c'est un pong! Ah, d'accord! Ok. S! Ouais, je joue tout seul, c'est n'importe. Attends. Voilà, et c'est la victoire de Fufu. Mais non, mais t'as rien, bah allez, dégage. Ah, allez, et c'est la victoire de B-Boy. T'as même pas su jongler une seule fois, mec. Tiens, dans ta gueule. Quoi? C'est nap. Tu l'as même pas touché. Allez, dégage. Ah. Oh là là. Vas-y, la vie de ma mère, je vais gagner. Vas-y. T'as fait le malin. Eh, c'est mignon ce jeu, il existait pas. Ah, d'accord. Non, mais gros, mais. Mec, je te fais des strafes, mon gars. Mais tu fais rien du tout, frère. Tiens. Tiens, paf. Mais tu sautes juste tout droit et ça va sur moi. Allez, dégage. Mais non, je saute pas tout droit, ça bug. C'est tout. Il a dit ça bug. Arrête de faire le mec qui contrôle le jeu. Tiens, contrôle ta destinée. Tiens, paf. Tiens, allez, dégage. Ça, c'est un smash. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, je joue tout seul, tiens. Il est perdu. Non. Attends, ça casse les couilles, ce jeu de merde. Machine gun funéral, mon gars. Non, mais gros, tu bouges même pas. Tu bouges même pas. Faut arrêter. Si, je bouge. C'est truqué. Allez, dégage. Oh, regarde, quand il s'agit de bouger, là, tu touches plus rien, là. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde, il est tout droit là, regarde, on dirait un pic le bordel. Alors, oh ça. Allez, dégage. Je l'ai même pas bien atterri. Le service. Donc il est bugué. Deux. Le service. Non, arrête de trouver des excuses déjà. La remontada. La remontada, mon pote, t'es où? On t'entend plus. Elle fait plus. Merde. Tiens, bouffe. Bouffe. Oh là là. C'est beau ça, c'est beau, c'est le point là, c'est le point. Ta gueule, ouais, t'as pas le droit de déconcentrer, je le fais pas moi. Respecte tes adversaires. Tiens, oh merde. Allez, dégage. Allez, la remontada, mon pote. T'es où? Tiens, c'est moi qui ai le service. Les mecs, ça se voit, tu donnes ta vie. Tiens, dégage. Oh, je t'ai grave feinté. Il est en sueur. Non. Allez, dégage. Allez, voilà. Alors, Fufu, t'es où? On ne voit pas, on t'entend pas. Allez, casse-toi, t'as raison de partir. Oh là 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 là, c'est terrible. Bon, allez, tu disais quoi sinon avant qu'on joue là? Parce que mine de rien, personne t'écoutait. Ouais, j'ai dit non, moi je suis quelqu'un qui a le vertige et pour avoir déjà fait du saut en parachute, je n'ai jamais eu le vertige parce qu'on est tellement haut que on n'a pas de point de repère en fait. C'est ça. Mec? T'es sérieux? Mec, fais de la faute. Vas-y, parce que. Damn tout le monde, bienvenue sur la rue. Ça m'a saoulé, faut juste enculer le pouce et je sens que ça va être chiant. Attends, je débranche. Tu joues à quoi là? Ah non. Rien, je mets le feu. Je mets le feu au hangar. Non, il y a un jeu à faire à plusieurs. Ah, des darts. Il y a un jeu de darts. C'est quoi ça? Le dart c'est fléchette en anglais. Ah, oh là là, mais qu'il est lourd, putain. Dart. J'ai entendu le jeu de Bart, j'ai pas compris. Le jeu de Bart. Casse-toi. Pique-moi le cul. Us. 25. Mal ça, pas mal.
Oh. Non, non, mais j'étais pas concentré, ça compte pas celle-là. Hein. J'ai tiré la première pour essayer de te toucher, petit bâtard. Ouais, non, il est trop simple, ce jeu, il est nul. Il est nul, c'est exactement le même qu'on avait joué la dernière fois. Et je compterai. Il faut quoi? Ouvrir la porte du hangar. Ah bah oui. Ah oui, putain, non mais la meuf, elle est même pas capable de le faire. Vas-y, je. Mais c'est quoi ça? Elle a pas un truc électrique ouais, là? Ça c'est du sale boulot. Hein. Elle est dans un aéroport, y a personne, elle est toute seule, c'est terrible. Voilà. Putain, tu veux refaire le jeu où on saute? Quel jeu? Le jeu où faut sauter. Ah le jeu d'arcade là? Ouais. Il était, non, il était pas mal en vrai. Hein. Franchement, il était cool. Montez-moi. À voir s'il existe en vrai pour faire des, pour le mettre sur la, le petit truc arcade là. Ah non, c'est parce qu'il y a nos photos dans le journal. Tu veux qu'on monte direct ou tu veux qu'on se refasse? Ah, vas-y, on monte. Non, faut qu'on avance dans le jeu, sinon on va se faire engueuler. On verra. On essaie de trouver le jeu. T'as trouvé, il doit exister en flash là. Non, en vrai, mec, il est trop bien le jeu en vrai. Hein. Ouais, tu sais, c'est un Pong, mais différent un petit peu. Un peu remixé. En tout cas, on se retrouve sur la page d'accueil. Enfin, c'est-à-dire qu'on s'approche de la fin. On se retrouve sur. Pas la page d'accueil, parce que la page d'accueil on est dans l'avion, au tout début on était dans l'avion. Ah oui, la page d'accueil t'as dit, putain, d'accord. Ouais, oui, désolé. Tu veux dire la vidéo d'intro quoi? L'écran titre. Voilà, putain, la page d'accueil. Gros, il joue en 1 FPS seconde, il tourne la page lui-même. Ouais, il est vraiment bien codé en C++ ce jeu, c'est vraiment incroyable. Nervous? No. You? A little bit. Just enough to keep me focused, you know? That's good. Yeah. You know, I've been thinking about your situation with your wife. I might have a solution for you. Okay. You should write her a letter. What? Look, I don't mean to interfere, but I had a similar situation with Linda, so I decided to write her a letter, and it worked. I laid it all out, and she gave me a second chance. You know? I'm just saying that writing a letter really helped. You know? I mean, of course, it's up to you. I mean, I'm just saying that it worked for me, but it doesn't have to, you know, anyways, look, I'm just saying, it was a good thing. That's all. You feel me? Yeah, well, I'm not really the writing type. Yeah. I mean, it was just an idea. It's just... Anyway, congrats on the baby. I'm really happy for you. Thank you. Yeah. The drop point. You guys ready to jump? Yeah. Okay, remember, spread your arms and legs to fall slow and maneuver yourself. And don't forget to pull the chute in time. Which one do I pull? This one? Yeah, that one. Like this. I'm gonna regret this. Okay, t'es prêt ou quoi? Ouais. Allez, bah c'est quand tu Three. Veux. 2, 1, non merde. T'es vraiment synchro avec ton personnage, ça fait plaisir. Ah oui, faut pas compter dans sa tête, hein, faut sauter. Hein. Voilà ton parachute, idiot. Il est totalement con. Toi tu me regardes. Bah oui. C'est trop bien, j'ai envie d'en faire du parachute. Là. Voler vers le point d'atterrissage, vas-y. Hein. Ça te rappelle pas un peu ton île là les flancs de les flancs le paradise. Toi t'es où? Bah, mais vas-y, on peut se faire des figures. Rapproche-toi de moi. Je sais pas, qu'est-ce qu'on sait? Rapproche-toi de moi pour voir. Bah viens. Non mais t'es trop bas. Remonte, ralenti. Ouais mais voilà, tu fous ta mère comme d'hab. Je suis sûr de devoir venir t'aider. Quoi? Non mais c'est... Non mais attends-moi. Ouais, c'est d'hab, j'arrive. Je suis là. Non mais c'est n'importe quoi. Mais j'arrête ta gueule. Tiens, Trisomico, mais appuie sur RT. Tiens, vas-y, hop, je t'en prie. Enculé-moi, Vincent. Putain, t'es le pire boulet.
Je m'accroche à toi comme j'accroche. Affronte tes peurs, Léo. Saute, saute, saute. Et c'est un... So, what are you gonna tell me or not? Okay, 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 I felt bad when I was young, Captain. Pourquoi? I wanna know more. Fell down for what? Come on, man, fell down for what? I fell down from a fucking tree and broke my arm. Stop asking questions. That's it? You broke your arm? What do you mean, that's it? I was 8 years old. Did you cry? Okay, I've had enough. J'ai fait une victime de ouf. No stupid questions. Be my guest. Just keep in mind that you'll break a lot more than an arm. I hate you, man. No, you don't. Mais en fait, tu m'as prank avec la poignée, c'est ça, non? Non, c'est toi qui as été triso. Il y a aucun souci. Eh, atterrissage en douceur. Attention, lève tes jambes. Ne me lâche pas alors que t'as les deux bras en l'air, tu sais. Ok. I mean it. Don't drop me. I won't. Oh, c'était drôle, franchement, c'était marrant. That was the last time I listened to your fucking ideas. Take it easy, you're still alive, aren't you? I'm just saying, I almost died. No, you didn't. Let's get going. Oh, shit. Oublie pas qu'on a nos armes sur nous. Ok, on peut pas les sortir. Ouais, non. What makes you so sure about that? I don't know, I got a feeling, I guess. And it's not like it's easy to sell something like the Black Arlong. I still don't get how the hell you pull that off. Well, I'm actually good at what I do. D'ailleurs, c'est bizarre, t'as vu? Il y a peut-être un jeu sur la plage, non? Avec les champignons, qu'est-ce que je raconte? Avec les coquillages? Peut-être. Non, en tout cas, c'est bizarre, t'as vu, on a écran scindé en horizontal cette fois-ci. Ouais, c'est pour apprécier le panorama. Panorama. J'ai toujours le MP5, c'est bien, par contre, ils oublient pas nos choix d'armes et tout. Get into cover. Quieres un poco? No. Esa cosa. There. You see? Two of them. Yeah. Stay low. Let's flank them. Alright. Ok. Dans sois discret, c'est bon pour toi ou pas? Oh, bah oui, je comptais pas faire autrement. Vas-y, vas-y, avance. Toi aussi, t'as un gros LT visé, RT tiré? Ouais. Comme ça, en cas d'embrouille. Ça part très très vite. Ok, je prends celui de gauche. Je prends celui de droite, t'es prêt? Attends, il y en a un qui fait un tour là. Vas-y, go. Comment Maintenant. On fait? RT! Bon, j'ai failli le faire tout seul, hein. J'ai failli faire les deux tout seul. Hein. Lui, on fait comment? Wouh! Fais gaffe, il arrive. Tu vas te faire craquer. Non, ça va. Paf! Ça va, bien joué mec. Putain, toi t'es vraiment un gars discret avec ton fusil à pompe dans les mains. Panorama. Eh, hey, t'as pas silencieux, je te rappelle. Hein, hein? T'as pas non plus un silencieux, hein, je te rappelle. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Au pire, mais un mec qui se la joue discret avec un fusil à pompe dans les mains, c'est quand même rare de voir ça, tu vois. Par contre, on va où avec ces conneries en vrai? Bah, ici, à droite. Regarde-moi. Ah, look d'accord. At me. I'm happy. Hop, voilà la petite cascade, on adore. J'avoue, ils ont vraiment du mal par contre à créer un jeu un peu d'action. Comment dire, ça se voit que c'est pas leur délire, tu vois. Ouais. C'est plus de la coopération. Voilà, c'est ça. Bah tu sais que c'est eux qui avaient fait les deux frères là. Ouais, Brother Tail. Ouais. Ah. Putain de campeur là. Ouais, putain. Il est encore sur Call of Duty 2 lui. Ah, il a cru qu'il allait débloquer une nuque avec ça quoi. That way. Ah d'accord, j'ai bombardé, je m'en fous. J'avoue, moi je suis en mode discret et tout là. Ok. Wow. Attends, hein. Wow. Mais c'est impossible. Attends, t'es gueule, t'as fait attention. Vas-y, fais attention, tu vas à gauche, ok. Vas-y, bombarde. Ok, j'ai quelque chose ici. Non mais mec, il est incroyable. Mais lâche le morceau, frère. C'est un truc de ouf, il s'est même pas visé. Le mec, il a des jumelles sur son... Attends, ça sent pas bon la porte. Hein. On sait pas mieux de passer par là, plutôt. On est d'accord, la porte de droite, c'est pas ouf. Hein.
Non, le mal est venu quand même de cette direction. Hein. Bah il est juste là en plus, hein. Il est vraiment à côté. Hein. Ah. Je l'ai le gars. Mets-toi. Attends, je vais taper la porte au pire. Allez hop, ça dégage. T'étais obligé de te taper la porte? Ouais, j'étais obligé. Mec, j'ai un snipe. Ah. Ouais, couvre-moi. Attends, on peut pas zoomer si c'est une blague là? Ok, je comprends le gars qu'il est galéré de ouf. Mec, tu vois rien puisque c'est speedé en plus. Vas-y, hein. Je suis sûr que tu peux le faire tout seul en plus, hein. Mec, ah bah si, on peut zoomer, j'ai eu peur. C'est bon, je m'en occupe, vas-y, tu peux y aller. Ah, en vrai, tu meurs vite quand même, hein, attention, hein. Ouais, bah j'ai vu ça. Là, tu vas voir mon. Look at my knee. Attends, normalement, ça va être à toi de. Je te vois. Ah, ça, c'est une phase sympa par contre, tu vois. C'est une phase logique. Ils arrivent sur moi, à gauche. Mais ils arrivent, hein. Ah oui, putain. Par contre, de toi, ils s'en battent les couilles, hein. Ouais, je te jure. Et y'a pas un mec qui se pose la question, genre, mais y'a pas un sniper qui me tire dessus. Tiens, tu le seul, là, je peux pas l'avoir, hein. C'est. Oh, damn. Damn, Daniel. Viens, je te tire dessus. J'ai trop envie de te tirer dessus. Vincent, cover me. Ok. Je pense qu'après, ça va être à toi de me couvrir selon toute logique. Un peu Jojo au fin fond de sa forêt. Je pense qu'il varie, il varie les gameplays. Eh ben c'est pas mal. Ah non, c'est pas fini. Vous êtes combien les gars? Un homme riche ça avait. Ouais, c'est incroyable. Le prix d'une vie. GG mec. Attends, c'est pas fini hein. Ils sont mignons. Il y a un petit côté Uncharted-esque. Oh. Ouais, non, oui, c'est avec la petite musique, bon, en moins beau. Hein. Le côté un peu feuillé. Parce que c'est pas méchant, mais Uncharted 2 est plus beau que ce jeu. Hein, alors que ah, mais Uncharted 2 est magnifique. Ouais, Uncharted 2 est vraiment impressionnant. Mais après, là, faut pas oublier, les gars, que étant donné que c'est de l'écran scindé, les capacités sont divisées en deux, en fait, les capacités graphiques. Ouais, parce que, n'empêche, je charge à la fois ton écran et mon écran. Exactement, tu vois. C'est ça. Donc fallait pas non plus du Uncharted, sinon t'imagines, fallait des... Allez, c'est l'île 1080 quoi. Faut savoir que normalement, là où tu regardes, le décor de derrière charge au dernier moment quand tu tournes la caméra. Et là, vu qu'on est deux, bah on charge deux fois plus... De texture. Bah, exactement. Il faut le dire, non mais il faut le dire, Fufu, ça. Ouais, c'est des... Pendant qu'on se balade dans la forêt. Bah oui, c'est des petites anecdotes forestières. Oui, c'est le petit fire, comme on dit dans le milieu. Hop, oh, roulette, tu vois, j'avais envie de taper roulette. Franchement, tu sais quoi, tu m'as impressionné. Eh, regarde. Ouais, qu'est-ce qui se passe? J'avoue, c'est joli, Mexique. Ouais, non, mais gros, va pas là-bas, frère. Tu vas, tu te fais dépecer, gros, ça va. Tu te fais dépecer pour un bounty. Par machete. Machete! Mexique, c'est vraiment un endroit où je voudrais pas. Machete! Ok, alors là par contre on n'a pas de sniper, ça va être un petit peu la merde. Je pense qu'on va devoir faire en mode infiltration mon cher. Non, on va passer par... On va commencer par les deux ici, non? Enfin, non, pas les deux à gauche. Enfin, juste en face. Non, parce qu'il y en a là, hein. Oh, au pire, tape-toi lui. Hop, il est mort. C'est n'importe quoi. Je l'ai vacciné, hein. Ah ouais, d'accord, ils ont failli tous me cramer. Ok, j'en ai un autre ici. Ah bah ils t'ont cramé, hein. Allez, hein, c'est terminé, hein. Fin de la phase d'infiltration. Bien joué, Fufu. Et tu vas mourir en plus de ça. Et non, moi je ne meurs jamais. Oh putain, la vache. Putain. C'est n'importe quoi. Ok. Bon, le bon. Reload. Le bon fait pas ouf, hein. Alors, si tu crois que le MP5 est mieux, pas spécialement. Non, en vrai, c'est pas mal, t'as vu, t'arraches les décors. Ouais. Bah non mais bon, il faut saluer le travail des développeurs quand même. Des arracheurs de décors. Ok, c'est pas mal. Bon bah nickel hein, la phase d'infiltration. Ouais gros, lui j'ai trouvé de balles, faut mourir monsieur. Hein. Voilà, ça dégage, j'ai pas le temps pour le connerie. GG, oh là là, Fufu zéro rigolade. Hein. Pas le temps. Non, moi j'arrive, je débarque dans le terre-terre. Oh, oh, fais gaffe, y'a comme nous. Oh, ça, ils sont tous touchés, y'en a plein qui tombent. Putain, j'ai un pompe. Wesh, oh. Et gros,
3, 4, 5, 6, 6 balles hein, quand même. Hein. Je sais pas, je dois tirer des prestagadas, frère. Ouais, mais tu comprends, t'as une SMG, t'as des petites balles, ça tue pas. quand même, une balle de 9 mm à cette distance, j'aimerais pas la prendre. Hein. Go, une bim, moi ça me met en PLS, gros. Attends, on est déjà dans sa demeure. Non, tu une leader, ça, ça me met en PLS. Non, je pense qu'on va devoir déjà non, rentrer dans son bunker, tu vois. Ok, hop, c'est pas ici. Hein. Bah, je pense qu'on peut prendre la voiture, non. Non, non, non. Ah non, si, non. Là, regarde, si, 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 si. Here, si, c'est ça. Ouais, utiliser ouais. La voiture pour défoncer le portail, non. Ouais, c'est ça. Tu crois? Ou pour défoncer le portail. Mais là, il s'arrêtera pas, en fait, s'il y a personne pour mettre le frein à main. Ok, c'est le projet, d'accord, très bien. Fallait y penser, fallait y penser. Alright. Ça a marché en fait. Tu vois, t'as douté. Non, non, la force, ça résout bien des problèmes. Eh ouais, le Léo style, mon gars. C'est vrai qu'il fallait y penser juste, tu vois. Eh ouais. Il est pas un petit peu. Ah, changer d'arme. Ouh. Je vais prendre le M16. Ouais, vas-y, je garde le MP5 au cas où ça vient à bout portant. Là, on va être en intérieur. Hein. Donc, je pense que le fusil à pompe, en vrai, c'était. Ah bah voilà, bah j'ai trouvé. C'était pas une mauvaise idée, hein. Regarde, on est grave en intérieur. Hein. Ouais. T'as fou. Ok, je vais avoir besoin de toi. À mon avis, dès qu'on rentre dans cette pièce, on fragmente, hein. Si je me permets l'expression. Hein. Je toque à la porte avant d'entrer. Hein. Vas-y, vas-y, hein. Faut être poli hein, avec les gens. Permets-toi. Tu vas la trouver. Bon, moi, je... Voilà. C'est un peu de crac-crac, j'aime bien. Non, je pense que c'est le meilleur choix. Après, hey, si tu veux la M16, oublie pas que la M16, 3, 2, 1, go. Oublie pas que la M16 elle tire à rafale. Hein. Tu vois, là on est vraiment dans un endroit. Je veux dire, ouais. Mais lui, il est. Oh là, ah, non, mais gros. Ouais. M'étonne qu'il nous tue pas. Vamos, 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 burritos. Il voit R. Quoi? Ah, les tricheurs. Oh ouais, mec, ça triche de ouf. Ils ont du bouclier anti-émeute. J'essaye de tirer dedans, mais. Tu te doutes bien que ça n'a pas été prévu. Quoi? J'ai pris deux balles. J'ai fait le même chemin que toi. Il y a un mec qui me focus. Hein. Eh, le mec à la moustache, il m'aime pas. Hein. Vas-y. Ouais, attends, laisse-moi passer en premier. Bah, maintenant, c'est toi le focus. Gros. Et gros, je vais encore. Non, c'est bon. Mec, mais toi, il te. Ah, si, il tire dessus quand même. Non, mais attends, c'est trop. Attends, recharge. Oh, mais mec, c'est insane. Attends, j'attire là, attention. Vas-y, cours, 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 cours. Ok, GG. Voilà. Attends, quoi? Non, c'est quoi? Ah oui, la merde. Vas-y, je vais tirer dessus. T'es prêt? Vas-y, vas-y. Boule! Oh, j'ai cru que j'allais mourir. T'as envoyé quoi là, gros? T'as envoyé une bombe NAC ou. Une petite bombe de gaz? C'était Bob. Bob, je m'avais appelé moi Bob de but à gaz. On est d'accord que là, on vient de faire exploser une bombe de gaz dans une villa. Personne d'autre se pose de questions ici, tu sais. Non, t'inquiète pas. Le mec, il est Harvey, il est là, il fait. T'as pas entendu un bruit. Mais c'est moi qui pété. Bah là, bah, bonne chance. Hein. Là, pour la discrétion, c'est mort hein, avec ce qu'on a foutu. À droite, à droite, à droite, à droite, tu le vois? Ouais, le jacuzzi, il est vraiment beau. Hein. Oh, il va être dedans. Ah, c'est bugué, putain, c'est bugué. D'où Jésus de Nazareth. Mais tu cours ou quoi? Mais tu fais pas des glissades à la Starkey Hutch? Qui? Moi? Non, 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 il y a un gars, il faisait des glissades normales, genre non respect de la personne. Ça, Rambo, calme-toi. C'est de mec! Oh mec, c'est un insane le nombre de balles. Hein. Ouais, abuse pas, ça va. Moi, c'est fou, hein. C'est bon. Et hop, ça dégage. Ok, t'as armé! Montre-toi, fils de pute! On vient pour toi, Harvey! We coming for you, Harvey! On dirait Max Payne, tu sais. Le mec, il a un nombre d'hommes incroyable. Ah, Max Payne, c'est vraiment la classe. Hein. J'espère qu'ils vont faire un quatrième Rockstar. Ouais, mais le fait dans le 3, tu vois, qu'il est un petit peu. Ils ont changé son comportement. C'était moins dans un délire sombre, tu vois, ou pas? Ouais, mais j'aimais bien. Y avait Max Payne 1 et 2, c'était les meilleurs. Ils étaient tellement sombres. Ouais, mais le 3 était bien aussi, quand même. Que, ok. T'avais vraiment le côté américain. 3, 2, 1. Go! Mec, on est tellement synchro, putain! C'est beau, c'est trop beau! Tu cours comme un dératé! Ah! Ouais, Tony Montana, ça va, frère! Ça fait un peu Tony Montana là!
Mais ça fait exactement genre comme par avec hasard son balcon et tout. Avec le petit escalier et tout. Voilà, venez bonne me chercher. T'as moi quand je vais sniffer de la coke mon gars. Je vais sniffer un paquet. Allez hein, c'est déjà la 10ème balle. Faut mourir monsieur s'il vous plaît. Ah oui d'accord, lui tire à balle réelle hein. T'es où Foucu? Au milieu. Ok. Le mec a tellement... Il y a un mec à bout portant qui est en train de m'arracher. Le mec a tellement de thunes, il peut se permettre de détruire sa villa quoi. Non mais c'est surtout au long... le mec, on est d'accord qu'il tire au long une grenade dans sa villa hein. Ouais non, il a aucune pression. Non, mais... bon, c'est vrai que moi des fois je me fais un petit délire, je me dis putain, je vais jeter des pattes par terre. Je vais mourir hein, frère. T'inquiète. À moins que t'arrives à en tuer un ou deux. Ok, pas mal, GG. Ok, faut vraiment qu'on avance, GG. Non mais mec, j'ai des obus. Allez monte. Je suis en haut, t'es où? En haut. Allez. Il a été. Oh non mais les gars, on est deux. De toute façon, ils auraient pas pu nous tuer, il y a une sécurité. On dirait vraiment... Je pense que c'est un clin d'œil quand même. Ah oui, oui, 100%. Parce que costard blanc... Escalier, balcon... Balcon... Et il va mourir dans une pièce reculée. Genre assis tel un PDG. Slide it over. Alright. Here you go. Ok. On va les laisser sur ce choix hein. Tu veux vraiment qu'on s'arrête sur ce choix? Moi je partirais sur une confrontation, c'est un fils de pute, faut l'enculer hein. Et l'approche de Vincent, la confrontation de Léo, l'approche de Vincent. J'avoue que c'est un fils, on fait quoi? Vas-y. Vas-y, confrontation, on la mérite, on la mérite. Pour l'Amérique. Toi le gun en or, ça va? Ouais, je me suis permis, gros. Hein. C'est le mec qui te regarde, je me suis permis. Toi, voulu nous voler. Toi, voulu voler ta propre famille. Attends, pour ça, le préfet. Enculé, tu m'as fait sniffer du Viagra pour le nouvel an. Regarde mon nez. You got me. Why'd you do it? Leo, take it. Shut up! I trusted you, you piece of shit! Why the hell did you do it? Okay, look. I still got it. That's what you're here for, right? The diamond. It's all yours. It's in the safe. Over there. You can take it. Move it. All right. Après, je me déplace. À 3, 1. Put it down now. Donc je déplace quelque part. Je peux rien faire, hein, je peux rien faire. Ah, je peux le pousser là, attends, je peux le pousser à droite. T'es prêt? Prépare-toi à tirer, prépare-toi à tirer. Attends. Oh! Dans la gorge, pile poil là où j'avais visé. Ça doit être un hasard, je pense. Hein. Je pense que ça, c'est un putain de hasard. C'est une machine. Allez, on tire à 3, non, 3, je sais pas. 2, 1. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Regarde sa gueule, on tartine. Le gars, il tire encore. Oh, la tête qu'il a, bête. Ah, bah là, gros, il est pas bien. Allez, hop, un petit tour. Et puis, ça en vend. On est pas bien, mec. Hein. Tu sais que là, l'avoir tué, on va finir en prison parce qu'on l'a tué, hein, finalement. Ouais, mais vu qu'on va prouver que c'était un coup, monté, tout ça... Je pense à des dossiers. More men are coming. We gotta go. Come on. Ok. Ça va être compliqué cette histoire. Eux ils lâcheront jamais la terre hein. Ça c'est une armée qu'ils ont quoi. C'est incroyable. Bon le double vitrage, je sais plus ce que c'est faire. Damn! Leo, get on the mic! Allez vas-y viens. Viens bébé, je t'emmène. Attends. Bon bah viens bébé, tu t'emmènes. Oh là là, trop classe! De quoi?
Bah, mais vrai, ils avaient quand même des AK, ils auraient pu nous tirer dessus, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais les mecs, ils ont pas préféré. Non, ils ont pas aimé. Bon, les gars, c'est possible que de votre côté, j'ai coupé l'épisode en deux, hein. On va voir un petit peu. Mais Rebonjour si vous êtes là. Voilà, on sent qu'on est à la fin, quoi qu'il arrive, donc ça serait dommage de s'arrêter là quand même, hein. On va pas se mentir. Ouais, c'est vrai. Ok, on peut accélérer. Vas-y, hein, je prends le chemin, t'es à goûter où, toi? Je suis à droite. Mec, ça, c'est ma vie nulle, hein. C'est bon, gros. J'ai joué. Comment il s'appelait le jeu de motocross là? Sur PS3 MX vs ATV, Motorstorm. C'était ça? Mais il y avait des où il y avait des voitures, des buggy. Le tout premier pour tester la DualShock, le fait que tu en bougeant la manette, ça bouge dans le jeu. Je sais. D'ailleurs, il y a encore cette fonctionnalité quand tu bouges la manette PS4 ou pas en vrai? Oui, mais il y a plus trop de jeux qui l'utilisent. Bah, il y en a juste aucun en fait. Mais il y a toujours le 6 axis. Ouais. Le 6 axis. Yes, 6 axis. Bien joué à toi. Oh, je suis même pas sûr en vrai, hein. Faudrait se renseigner, hein. Est-ce que c'est pas plutôt ça joue pas avec la LED par rapport à la caméra, tu vois? Il y a ça, par exemple, sur Alien. Parce que ça, je sais que ça y est. Okay, mais sur certains jeux, genre comment il s'appelle, le jeu d'horreur là de Sony, là. Il ressemble... Au... Ouais, où il fallait pas que tu bouges la manette et tout, fallait que tu restes droit pour pas que... Ouais, non, c'est vrai. Et vu que toi, t'es toujours en train de bouger comme un connard, bah tu failais les QTL et le personnage, il mourait. Oui, putain, c'est vrai. Until Dawn, quel jeu, d'ailleurs, n'hésitez pas à le laisser. On met un ralenti, mais... Ah, t'es mort. Ouais, c'est parce que je suis mort. D'ailleurs, je me permets de prendre ton écran. Bah, j'ai pris un caillou, et donc les mecs m'ont rattrapé. Mon sang. Attends, comment c'est le début? Non, mais non, on est à la fin, là. On est là où t'es mort. Ah, ouais, oui. J'ai pris un caillou, je suis mort. Je suis bourré. Mais ouais, ouais. Bah, le ralenti était pas très ralenti, là. Ouais, mais t'as pas eu de ralenti? Moi, j'ai eu que mon écran, et toi? Bah, moi, j'étais au ralenti, moi. Bah, là, moi, j'ai vu le contour de l'écran, tu m'as bouffé instant, quoi. Oh, mais là, c'est le pire chemin aussi. Ah ouais, mais tu m'as déconcentré, tu. Bah ouais, putain. Allez, vas-y, tout droit. Hein. Cette fois-ci, tu l'as. Il non, est temps de montrer, mais non, c'est backflip. Oh là là. America. Fuck yeah. N'importe quoi, putain. Excellent. Ça, c'est une phase comme on les aime. J'ai l'impression d'être Vin Diesel en triple X, quoi. Mais oh, exactement, mec. Les phases totalement américaines, on adore. Genre, il y a aucune plateforme et il te fait un saut sur notre village de 4 mètres. Non, tu l'as. C'est le dernier triple X où il est en ski dans la jungle. J'ai pas vu le dernier. Non, mais gros, il est en ski dans la jungle, le gars. Ah, dans la jungle. Mais Phoenix, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, je serais pas étonné qu'il sorte un triple X avec Dwayne Johnson un jour, quoi. Tu te fais arracher, mec. Hein. C'est bon. Hey, I think they ça va, les gars, on va où là comme ça là? Heureusement qu'il y a quand même trois routes. À quel moment? Bon, après, c'est le Mexique, hein, y'a plus rien qui m'étonne. Mais à quel moment tu vois de trois routes qui se croisent comme un Kinder Bueno? Bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est le truc improbable, y'a pas de carrefour, y'a rien, y'a pas. Bah attends, non, gros, je vais sauter en bas, ça m'énerve. Mec, je vais mourir en fait. Tu sais qu'on me bombarde la gueule là. Hein. Ouais, bon, c'est t'inquiète, en gros. Mais... Y'a un mec qui sait. Y'a un mec qui tire. Eh, c'est des roquettes qui tirent. Ah putain, non, ça joue encore. Je croyais que j'étais mort. Ok, c'est bon, maintenant c'est sur toi. T'as détourné, t'as détourné? Moi je suis parti, ouais, j'ai quitté. Bon, il peut pas suivre normalement. C'est bon, moi il y a des cailloux qui sont tombés. Faut que je retourne voir Léo, ça dit. Léo, j'arrive, mon copain. Allez. Oh putain, mais t'es vraiment. Mais mec, j'ai pris un éboulement, c'est de ma faute. Mais quel boulet, monte Léo. Oh bah d'accord, il s'est TP. Bah Léo. Je tire sur le. Qu'est-ce que tu fais, Léo? Je te vois bugger. Mais. Ah bon? Moi je le vois normal. Wesh Léo. Léo, restez. Léo, mon dieu, tu vas mourir. Je te vois sous ma moto. Mais non. Ah bon? C'est bon, tu viens de te mettre en place. Moi je le vois normal. Par contre, ta caméra est full bugger. Hein. Mais on est d'accord que notre écran est gris. Oui. Ok. Bon, moi ta caméra est peut-être totalement bugger. Elle est totalement pétée. C'est drôle ça. Moi je le vois bien sur les deux là. Bah, oh mon dieu, Léo, ton chargeur il est de 3 mètres derrière toi. C'est n'importe quoi, putain. T'es tellement bugué, mec, chez moi. C'est insane. Ah, faut aller de l'autre côté si ça te gêne pas. Ah, voilà. Non, mais gros, elle se fout de ma gueule avec son avion de merde. Non, Léo. Non, mais c'est... Prends ma main.
Genre... Non mais... Non mais... Là tu m'as donné ta main là, Jean? Oui. Bah moi je suis passé à travers toi. Ah, d'accord, bah moi je t'ai donné la main. Tu viens passer. Shit. That was close. You okay? Bah c'est à toi qu'il faut demander, t'étais quand même sous ma moto. Je me rends un lifting. You guys are crazy. Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. You got it. Vincent, you're not gonna hear me say this often, but thanks. You too, Leo. Moi, je t'ai sauvé la vie à peu près 3 fois en un épisode. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea. Hey, Emily, you have a pen and paper? Wait, now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. T'es limite attachant. Alright, oui. C'est être un petit peu boubourse comme ça. Ouais, c'est ça, c'est... Il est direct, tu vois, il a un petit côté enfant. C'est ça, c'est ça. Ah mon dieu, l'orthographe, on se le voit faire. C'est ce que je t'aime. Il a mis une nuit, hein, quand même. J'ai écrit 3 phrases.